Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une vidéo haul, c'est un haul beauté que j'avais prévu de vous filmer il y a très longtemps. Donc si vous êtes intéressé, restez avec moi. Je vais commencer de suite et je me tâte. Je vais commencer par quoi? Je vais commencer par les cadeaux, mes cadeaux de Noël. Oui, on est au mois de mars. Je vous le confirme. Je vais commencer par ce gel matifiant de chez True Colors. Honnêtement, je ne connaissais pas cette marque et honnêtement aussi, je n'ai pas beaucoup essayé le produit. Donc du coup, je ne peux pas vraiment vous donner un avis. Je l'ai alterné avec mon matifiant de chez Iman que j'aime beaucoup. Et du coup, je me laisse du temps pour l'essayer. Le deuxième produit, c'est le fond de teint de chez Burberry et c'est le fond de teint fluide éclat. C'est un produit qui m'a torturée, qui m'a harcelée, qui m'a frustrée. Je vous explique. Quand je l'ai reçu, je me suis promis de vous faire une vidéo première impression et je ne l'ai pas fait. Et me connaissant, je sais que si j'utilise ce produit, je n'allais pas faire la vidéo. Et du coup, je me suis promis de ne pas utiliser le produit tant que je n'ai pas fait la vidéo. Et comme je n'ai pas fait la vidéo, je ne l'ai pas utilisé. Et comme je suis curieuse et que j'aime beaucoup découvrir de nouveaux fonds de teint, ça m'a très très frustrée. Et en même temps, c'est un mal pour un bien parce que j'ai d'autres fonds de teint que je teste en ce moment, que je vais vous présenter d'ailleurs. Et je vais filmer la vidéo très prochainement. On va finir avec les cadeaux et le meilleur pour la fin, ce sont des lime crayons. Alors, vous les connaissez certainement. Je pense. Ce sont des encres à lèvres à effet mat. Oh là là, je bavais sur ces produits depuis très très longtemps et j'ai pas eu l'occasion de les acheter. Et, en plus, je savais que voilà, je les aurais à Noël. Donc voilà, j'étais patiente et enfin je les ai reçus. Je suis pas du tout, mais du tout déçue. Ce sont vraiment des pures merveilles. Toutes les couleurs que j'ai reçues sont superbes, mais j'ai quand même des petites préférences comme le schtroumpf que j'aime beaucoup. Non, c'est pas celui-là. C'est celui-là que j'aime beaucoup. C'est vraiment un très très beau nude. Pour les peaux foncées, c'est juste hallucinant. Voilà, à essayer. J'aime beaucoup aussi le squatch. Une couleur entre le jaune et l'orangé ocre. Voilà. J'aime beaucoup parce que c'est très très original comme couleur. Et j'aime aussi beaucoup le trouble. Le trouble que je porte en ce moment. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, je pense que je vais quand même vous les swatcher au dos de la main parce que je sais pas trop comment décrire la couleur. Donc on va commencer. Attends, je vais vous le mettre juste là. On va commencer par le schtroumpf. C'est un très très beau nude, comme je vous disais. Voilà, c'est vraiment une couleur qui match avec la couleur de la peau au fait. Hein. Mais c'est justement ce côté-là que j'aime. On voit pas trop la différence. Il embellit juste les lèvres. C'est juste super. Je sais pas si vous le voyez. Je vais le remettre. Je veux pas gaspiller du produit. Voilà. Donc c'est le schtroumpf. Voilà, là. Vous avez le squatch. Donc comme je vous disais, c'est du jaune orangé. Et ce sont des rouges à lèvres qui sont très très bons. Voilà ce que ça donne. Voilà. Vous avez après le trouble que j'aime beaucoup aussi, que j'ai sur les lèvres, mais je vous le mets quand même. Là, vous avez le trouble. Je sais pas si vous voyez quelque chose, mais voilà. Une très très belle couleur. Vous avez le jeans. C'est un violet foncé. Bon, je sais pas comment décrire les couleurs, donc voilà. Le jeans. J-I-N-X. Le salem qui est marron chaud. Voilà. Donc vous avez ici le schtroumpf, enfin bref, je vous mettrai les couleurs dans la vidéo. Et le black, le noir.
J'ai beaucoup aimé le noir, mais je le porte rarement. Voilà les 6 couleurs que j'ai reçues. J'ai tellement adoré ces couleurs que j'en ai pris, j'ai commandé deux autres. J'ai repris le shroom. C'est le même que ce que je vous ai mis. C'est le shroom, c'est celui-là. Je l'ai repris parce que j'utilise tous les jours. Et j'ai repris un autre rouge à lèvres qui a un effet semi-mat. Moi, j'adore les effets mat parce que je trouve qu'ils sont très adaptés à nos lèvres. Un peu pulpeuses, un peu charnues. C'est le Penny. J'adore la couleur. Elle est magnifique, la couleur. Elle est très, très belle. Donc, voilà pour les lime crème. On va rester dans les rouges à lèvres. Et... Oui, on va rester dans les rouges à lèvres et vous les connaissez. Oui, vous les connaissez. Si vous les connaissez, ce sont des Colourpop. Le Colourpop, je les ai commandés par Chipito pour celles que ça intéresse. Et ça s'est bien passé, j'ai pas eu de frais de douane. Et c'est super, ils sont très très réactifs et c'est très très agréable. Donc j'ai pris le Guess. Voilà, je le mets là. Je le mets là. J'ai pris le Guess, voilà. Que ça donne. Il ressemble un peu au Black de chez Lime Crème, mais c'est différent. C'est moins foncé. J'ai pris le Beeper. Le Beeper, c'est un très beau nul, mais j'aime pas trop. Si, j'aime bien. J'aime bien, mais je préfère le Shroom, tout simplement. Le Beeper. Le capot, j'adore tout simplement. C'est un gris, pas un vrai gris, enfin vous le voyez par vous-même. Le capot, ce qui est bien avec ces Colourpop, c'est qu'ils ont un très bon rapport qualité-prix. Après, comparé au lime crème, c'est pas la même qualité, c'est normal, c'est pas le même prix. J'ai pris le jelly, c'est du bleu. J'ai pris du bleu et du vert, ici, voilà. Le bleu et le vert, et je les ai mis pour aller en cours. Et dans le métro, c'était juste horrible parce qu'on me regardait comme si j'étais une extraterrestre. Et paradoxalement, donc ça c'est le Dot M parce que j'adore cette couleur. J'adore le vert, c'est comme ça, j'aime le vert. Et donc dans le métro, on me regardait vraiment comme si j'étais une extraterrestre. Et je les ai aussi mis quand j'étais en Afrique. Et ça passait super bien. Avec le soleil, il y a des reflets, c'est juste agréable. J'ai le Limbo. Le Limbo, je mets là. Il ressemble un peu au Salem de chez Lime Crème, mais en plus foncé. Le Denzel, que j'aime beaucoup aussi. C'est du violet. Les couleurs flashy, je trouve que c'est adapté quand il fait beau, il y a du soleil, ça passe que quand il fait moche. Dr. M, je vous ai déjà sorti. J'ai le tulle que j'aime beaucoup aussi. Le tulle, voilà. J'aime beaucoup le tulle. Et j'aime aussi beaucoup le Lasse. Ah, le Lasse, c'est vraiment... mon coup de cœur parmi tout ça. J'ai beaucoup le laisse. Voilà, il est ça. Bon, j'ai fini avec les rouges à lèvres. Je continue avec Chipito parce que j'ai pas commandé que ça. Vous vous en doutez. J'ai pris des fonds de teint. Je voulais essayer des fonds de teint de la marque Black Radiance. Vraiment, ce sont vraiment des très très bons produits à des prix très très abordables. Les fonds de teint étaient à 4-5 $. Je les ai achetés pendant le Black Friday et ils me revenaient à 2-3 $. Je ne savais pas quel teint se prendre et du coup, je me suis dit autant en prendre beaucoup à ce prix-là. Je ne me suis pas privée. J'en ai pris beaucoup, j'en ai pris 4. 4 de couleurs différentes. Mmh.
c'est vraiment de très très bons fonds de teint, ils donnent de très très bels effets. Le seul hic pour moi, c'est la couvrance. J'aime pas trop tout ce qui est très couvrant et ces fonds de teint sont un peu trop couvrants à mon goût. Et j'en ai profité pour prendre leur bébé crème. Et le bébé crème, ça m'a vraiment ébloui parce qu'ils sont légers, c'est normal, ce sont des bébés crèmes. Du coup, ils ont le même effet que leur fond de teint, mais en plus léger. Donc j'aime tout simplement. Et je ne suis pas mais du tout déçue. Je vais finir avec les blushs, mais avant, je vais vous montrer un petit truc que j'ai trouvé chez Sephora. Ils appellent ça un volumateur de cils. Mais je vous mettrai le nom, je ne sais plus trop comment il s'appelle. Mais il est censé nous donner du volume. Et il a deux embouts, un embout qui est incurvé comme ça pour au fait le mettre là, pour éviter au fait le transfert de la matière de la brosse du mascara vers la paupière. Et vous avez cette partie pour décoller les cils qui sont collés entre eux. Il est très utile, mais en aucun cas il nous donne du volume. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont appelé comme ça, c'est vraiment de la marque pure et simple. Mais il est très utile, j'en conviens, mais il ne donne pas du volume du tout. Je vais finir avec les petits blushs. Je vais commencer par les blushs. Le blush que vous connaissez déjà, je prends tout. Le raisin de chez MAC. Voilà, vous les connaissez toutes. Si vous ne les connaissez pas, allez-y, achetez-les parce que c'est vraiment le blush par excellence pour les peaux foncées. Et j'ai pris aussi un blush de chez Black Radiance. Et c'est le Toast Almond Amande Grillée. Il ressemble vachement au raisin, mais quand vous le mettez sous la peau, c'est pas la même chose les filles, c'est différent. J'ai pris aussi un de chez Colourpop, c'est le Chute de chez Colourpop qui se présente comme cela. Il a une texture très très agréable, c'est semi-crème, semi-poudre. En fait, quand vous le touchez, c'est comme une crème, mais quand vous le mettez, ça devient une poudre. Tout simplement. Et je vais finir avec un que j'ai pris de chez MAC. Alors, c'est en teinte Sun Power. Je pense que je vais aller me nettoyer. Donc voilà, je vais m'arrêter là parce que après la vidéo va durer une éternité et j'aime pas trop les vidéos qui sont très très longues. Je pense que c'est plus agréable aussi pour vous. Je vais finir avec ce petit pinceau que j'utilise pour appliquer mon enlumineur. Vous êtes comme moi, vous mettez trop de la matière quand vous appliquez votre enlumineur. Ce petit bijou, il est fait pour vraiment vous mettre juste le produit qu'il faut. Là, il y a ma caméra qui m'envoie des signaux. Je n'ai pas chargé ma batterie, donc je pense que ça va s'arrêter. Donc voilà, de toute façon, je vais vous présenter ce petit pinceau qui vient de chez Ville Technique dans ma prochaine vidéo haul parce que j'ai d'autres produits à vous présenter, mais je vais m'arrêter là parce que après ça fait trop long. Et c'est tout pour la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous avez essayé des produits que je vous ai présentés. Je vais très vite parce que ma caméra va couper. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre une pouce vers le haut. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne passez pas là par hasard, ça me fera toujours plaisir. Moi je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Et